Hey, salut tout le monde, c'est Fondroge. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Empyrion. Donc, je viens de terminer en fait de préparer le vaisseau. Et j'ai déplacé donc ma tourelle. Et je l'ai mis au milieu. C'est la seule tourelle que j'ai. Donc, ça veut dire que j'ai que celle-là pour me défendre. Donc, ça va être très difficile. Donc, faudra pas qu'on s'amuse à attaquer. J'ai installé tous mes petits propulseurs que j'avais en stock. J'en avais des tout petits. Je les ai mis. Pour aider un peu, mais de toute façon cela va être enlevé. J'ai donc installé tous les propulseurs que j'avais. Tac. Voilà. J'ai fait le plein de nourriture, j'ai fait le plein de munitions pour notre tourelle. Donc ça c'est ok. J'ai ramené 2-3 petites choses pour notre base. Pour notre vaisseau au cas où si je l'ai besoin. Donc des boosts. Voilà. Et j'ai ramené aussi des armures. Deux armures. Un lourd et un médium. Un moyen. Il me restait un petit générateur que j'ai installé. Ça c'est bon. J'ai fait le plein du vaisseau en hyperespace et en carburant. Donc ça c'est ok aussi. Ah c'est vrai que j'ai pas fait le plein d'oxygène. Ça on va, il faut que je le fasse au cas où si s'il n'y a pas d'oxygène sur les autres planètes, il faut absolument que j'ai un stock d'oxygène, sinon ça sera trop dangereux. Alors on va voir si j'ai des bouteilles d'oxygène. Je sais pas trop où je les stocke en fait ces bouteilles. Est-ce que j'en ai là-dedans? Oui. Ok. Si jamais je veux faire d'autres bouteilles d'oxygène. C'est par où? Mon bandeau. Les bons bandeaux, j'en ai plus. Je te récupère toi. Je vais quand même les récupérer de toute façon. Popando. Ok. Et plaque d'acier. Bon, de toute façon, du fer, j'en avais déjà dans notre base. Mais on va quand même récupérer encore un autre. On va se refaire encore quelques Bobando, je pense. Pour avoir un petit stock. Enfin, des bouteilles d'oxygène. Tac. Ici, j'ai pas encore installé. Oula. Ici, j'ai toujours pas installé un système pour monter correctement dans le vaisseau. Donc ça, faudra que je voie pour le faire dans un autre épisode. Ok. Alors, déjà. Ok, je suis obligé de le faire manuellement. Voilà. On est un petit peu moins que la moitié. Je te mets ça. J'ai récupéré aussi du crédit. On sait jamais, si jamais je trouve un bon truc là-bas. On peut toujours s'amuser. On peut toujours s'amuser à acheter des choses. Et j'ai pris quelques plantations, car on va commencer à les faire pousser. Alors pour être franc, j'ai pris que cela parce que je sais pas trop quoi faire pousser. Donc on va faire ça. Ça c'est du petit, on va le mettre de ce côté. Toi c'est quoi? C'est du petit aussi. Voilà, j'aurais peut-être pu en prendre plus. Je savais plus trop combien j'en avais donc. C'est quoi ça? C'est des gros. Ceux-là, je sais pas. Bon, de toute façon, ouais, on va les faire pousser là-bas. Voilà. Comme ça, si jamais je tombe en rade de nourriture, bon, j'ai toujours des plantations au cas où. De toute façon, côté nourriture, j'avais pris quand même pas mal de choses, donc ça devrait être bon.
On va te remettre toi dedans. Car de toute façon, il nous fait des potions. Et je pense qu'on est bon pour y aller. Normalement, j'ai de l'oxygène. Inventaire. Tac, on le fait marcher. Et on va pouvoir y aller. C'est parti. On va juste faire une sauvegarde quand même. Voilà, je préfère au cas où. Tac, on va changer de vue. Et c'est parti. C'est parti, on va pouvoir commencer à y aller. Alors, j'espère, pour être franc, que j'ai rien oublié. J'ai ramené des choses de soins pour se soigner au cas où si on a des problèmes. On peut voir que notre vitesse est pas terrible. Donc ça, faudra que je vois pour l'améliorer aussi. Mais ça, c'est quand j'aurai les ressources que j'ai besoin pour ça. Pas d'oxygène. Comment ça se fait que j'ai pas d'oxygène? Ok. Je pense que notre système pour l'oxygène ne marche que dans une seule salle. Faudra donc que j'en mette plusieurs dans les autres salles. Ça c'est embêtant, je pensais que ça marcherait pour tout le vaisseau. Bah bon, ça c'est pas très grave à la rigueur. Je peux installer ça dans chaque vaisseau. Chaque salle, pardon. Donc. Alors. Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'ils ont comme ressources? Non. Omicron. Alors ça, c'est une planète chaude, je pense. On va aller là-bas pour l'instant, car je voudrais récupérer les tourelles en fait. C'est quoi, c'est ouais. Je voudrais récupérer en fait les tourelles de notre base qui est là-bas. Je pense que ça peut être utile de les avoir. Ça peut être très utile de les avoir. En espérant bien sûr que ils vont pour notre vaisseau. Comme ça j'installe ces tourelles là et je vais pouvoir les utiliser. Parce que ça m'inquiète un peu, une seule tourelle pour nous défendre, ça va être un peu délicat. Donc si je peux essayer de piquer des autres tourelles un peu partout. Vitesse... Ah, on a quand même monté en vitesse. Et on peut voir que la consommation d'énergie est à 1%. Ça veut dire que nos générateurs sont... Et pas j'en ai assez. Ah, je crois que c'est cela. Alors, le problème des tourelles là, c'est que je sais pas parce que c'est quand même des tourelles de station. Donc, je ne sais pas si ils seront compatibles sur un vaisseau. Donc, on va tester, on verra bien. Est-ce que le freinage est bon? Oui, on freine très bien. Le problème c'est que là j'aurais sûrement pas de... Comment dire? J'aurais sûrement pas de... Tac, je suis obligé de me mettre comme ça et sortir le... quoi? Ah. Voilà. Tac. Le problème c'est que j'aurais sûrement pas de munitions pour eux. Donc à voir. C'est parti. Oula, oui c'est vrai, ça va me prendre pas mal de temps pour démonter tout ça. Si je veux récupérer tout ça. Ok, je veux juste voir. C'est rouge, c'est des tourelles rouges. C'est des tourelles donc pour...
Canon à ion. Ouais, laisse tomber, je ne pourrais pas les récupérer. C'est pas la peine. Ok, tac. On va quand même te ranger ta tourelle à toi. Mais c'est des tourelles rouges, ça va pas. Ok, inventaire. J'ai toujours de quoi faire. Tac. Alors, système. Je veux pas aller là-bas. Ça a 24.9. 27. Ok. C'est là-bas qui est un petit peu moins. Moins loin. Donc on va aller là-bas. Mais je pense que ça va être une planète froide. Vu la couleur, hein, un peu gris comme ça. Je dirais que c'est une planète froide, mais on va voir. Première planète qu'on va vraiment visiter. C'est parti. Alors. Map. Ah bah il n'y a que ça. Il n'y a que ça, juste une planète, pas d'astéroïdes. D'accord. Et nous avons un TS là-bas. Qu'on pourra peut-être aller voir si je passe à côté. On va voir. Mais je crois que c'est une planète froide. Donc faudra sûrement que je mets des équipements pour supporter le froid. Et faut aussi que j'installe notre armure lourde. Faudra sûrement que j'installe l'armure lourde. Ok, et je sais que dans les planètes froides, il y a... il y a de dangereux golems. Donc ça, faudra faire très attention. Pour l'instant, j'ai pas vu le TS. TS est plus de ce côté. Est-ce qu'on va faire un tour? Avant d'y aller, on va faire un tour au TS. Car je voudrais quand même aller voir si je peux pas peut-être acheter des choses que je connais pas. Si jamais je peux trouver une armure pour le froid. Après, je sais pas trop si je peux trouver ça là-bas. Mais on va voir. Ah le voilà. Enfin je crois que c'est ça. J'espère que c'est ça parce que si je m'avance et que c'est un vaisseau ennemi, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Eh non mais je pense que c'est ça. J'espère que j'ai un moyen pour me mettre dessus. Oh, il y a quand même des astéroïdes. Alors, oui, il y a des hangars à vaisseaux. Le problème, c'est que est-ce que ça s'ouvre? Telle est la question. Est-ce que elle va s'ouvrir pour que je puisse rentrer? Tac. Change de vue. C'est parti. Faudrait que je sorte du vaisseau. Ouais, mais le problème c'est que je peux pas sortir du vaisseau pour l'instant parce que j'ai pas l'armure lourde. Et c'est l'armure lourde qui me... Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Et c'est l'armure lourde en fait qui me permet de... Tac. Il faut que je la cherche. Je vais changer donc l'armure.
avant d'y aller. Oh là là. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Pourquoi j'avance plus là? Bizarre, bizarre, bizarre. Donc ici en fait j'ai de l'oxygène. Je pense que de l'autre côté aussi. Vu que de l'autre côté aussi ça souffle. Donc ça c'est bon. Mais dans les autres salles je peux pas. Donc faudra que je l'installe. On était venu chercher l'armure lourde. Armure médium, armure lourde. Ah mince. J'ai pas les boosts avec. J'ai pas les boosts avec. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je ne sais pas si. Si ça suffira ou quoi. J'aurais dû prendre. Ah bah tu sais quoi, je vais te prendre tous les boosts. Alors moi je voudrais te prendre toi. Et toi. Parce que le boost pour aller dehors, c'est celui-ci, je crois. Ok. Voilà. Et comme ça, avec l'armure lourde, je marche déjà beaucoup plus vite. Let's go. Let's go. On va activer le jetpack. Alors, je sais pas si j'aurai l'autorisation d'ouvrir cette porte. Oh, ça s'ouvre tout seul. Lol. Combien d'énergie tu as, toi? Y. Enfin, I. Ouais, on va te couper. Je pensais pas que t'étais à court d'énergie comme ça. Ok. Changer de vue. C'est géant les deux portes comme ça. Alors. C'est parti, on va explorer. Voilà. Accès. Je peux pas, c'est ça? Ok. Ok. Il n'y a pas beaucoup de lampes ici, hein. Rien du tout. On va monter. Après on descendra pour voir. J'aurais dû prendre l'argent. Eh oui. C'est pas grave, on va déjà un petit peu voir un petit peu ce qu'il y a. D'accord. Ça c'est un téléporteur. Alors, qu'avez-vous à nous vendre? Ah, armure lourde. Ça c'est le prix du truc. Ouais, bon, dans tous les cas, on peut pas l'acheter. Ça deviendrait trop cher le truc. Mais au moins, on a quand même une idée de du prix. C'est de la nourriture que je peux acheter. Il n'y a pas vraiment des choses qui m'intéressent pour l'instant. Bon, on va repartir. On va pas perdre de temps là-dessus de toute façon. Les trucs que je pourrais récupérer si je veux des plantes. Mais bon. Disons que les plantes, c'est pas ça qui va m'aider. Les portes comme ça sont bien, par contre ce système là, ça fait un trou, c'est pas bien du tout.
Là, ça va parce que tu repars, mais... Bizarre. Tac, tac. On va se dépêcher parce que si j'ai plus de carburant, on va pas, ça va pas trop le faire. Non, je crois que là je suis dans le vaisseau. Voilà. Ah, c'est bizarre, j'arrive pas à marcher correctement. Ouais, dès que je commence à monter ça, ça me ralentit. Ouais, ça un truc à voir. Si ça me le fait très 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 souvent, faudra l'enlever et mettre autre chose, je pense. Alors, non, c'était pour repartir ce que je voulais. Par contre, on va manger avant de partir. Voilà, petit truc. Hop, la porte là reste toujours ouverte. Tac. Et c'est parti pour la planète. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même trouver des astéroïdes, ça c'est cool. Par contre, maintenant, ce qui m'inquiète en fait sur la planète, sur celle-là, alors pour moi, c'est peut-être une planète d'eau, donc de glace, mais c'est pas sûr. Enfin, moi, elle ressemble plus à de la neige, mais c'est peut-être une planète désertique avec cette couleur là. Je sais pas, on verra, on va tester. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est plus le froid. Est-ce que je vais être protégé contre le froid? Je pense que oui, vu que c'est pas de la neige, si. Si, c'est de la neige. Alors, nous avons... On va déjà se mettre droit. Tac. Nous avons un bâtiment. Nous avons un drone derrière nous. Ça commencera mal. On va s'éloigner. Hein. J'ai un bâtiment là-bas, je sais pas trop ce que c'est. Je voudrais me mettre dans un lieu plus ou moins sûr. Alors, donc on cherche plus du qui, du magnésium. Ok, en fait c'est une planète normale. C'est une planète normale, donc ça ne va pas. Fer, cobalt, cuivre, silicium, promethium, magnésium, silicium. Ok, et en orbite, il y a quoi? Il y a du cuivre, du cobalt, du néodymium. C'est du néodymium qu'on a besoin, du satium, du prémantium et du fer. En orbite de cette planète. Donc, on va retourner en orbite et on va essayer de trouver des astéroïdes. Je pense qu'on n'aura pas trop le choix. On va chercher pendant 2-3 minutes, je pense, des astéroïdes. Si jamais j'en trouve pas, on peut toujours changer de planète, c'est pas un problème. Ok. Alors. Donc le truc, c'est de trouver des astéroïdes. Ça, c'est le truc ATS. Nous avons un ennemi de l'autre côté. Je préfère pas trop aller le voir pour l'instant. Mais je sais que près du ATS, là, le machin là, il y avait un astéroïde qu'on avait découvert. Donc je voudrais qu'il repop tout de suite. Voilà.
ESO, pardon, voilà. Donc on avait une... un truc d'astéroïde dans les coins. On va essayer de le retrouver. Ça c'est les autres planètes. Est-ce que ça me l'a marqué? Là. On va essayer d'aller là-bas, même si je pense que c'est un astéroïde normal. Ah, ça m'a quand même montré du minerai. Donc il y a quand même du minerai et c'est du fer. Ouais. Ouais. Astéroïdes dans les coins. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va refaire un autre, une autre planète. Astéroïde. Problème, c'est que pour l'instant, je vois pas trop ce qu'il y a dedans, donc on, je peux pas trop savoir. On va aller à l'astéroïde, puis on verra bien après. C'est parti. C'est parti. Par contre, je trouve que les couleurs et tout ça, j'adore. La couleur des étoiles et tout ça. Là, on retombe sur une nouvelle couleur encore. C'est génial, quoi. Moi, j'adore. F4. Tac. Donc là, on a normalement... Alors... On peut avoir du néodymium, du silicium, du satium, du zascosium. Tout ça, c'est ce qu'on a besoin. Du zasconium, du néodymium. Tout ça, si on peut trouver un filon, on pourra le miner. Et tout ça, bien sûr, ce sont des zones PVP, donc en multijoueur. Il risquerait d'avoir du monde dans ces zones-là. Voilà, c'est juste pour une information, au cas où si... Il y en a qui jouaient sur des serveurs en multi et qui connaissent pas trop le multi. Enfin moi je connais pas trop non plus, mais je sais que vu que c'est des zones PVP, ils doivent sûrement avoir du monde. Alors, espérons qu'on trouve pas d'ennemis, ça serait cool. Parce que je vais avoir beaucoup de mal à bouger dans ce... dans cette zone là. Il y a un bâtiment là-bas. Je sais pas si vous le voyez là sur le curseur. C'est un bâtiment. Alors, on va faire un petit peu le tour alors. Juste faire un petit peu le tour. Hop là. Ouais, pour l'instant je suis pas équipé pour hein, pour attaquer. Alors j'ai pas très envie d'y aller pour l'instant. On va refaire demi-tour en espérant que là-bas il n'y a personne. Ça serait bien qu'on trouve leurs sources. Alors je sais que là-bas il y a j'ai vu des ressources de ce côté. Du pixel je crois, ou moins du carburant. Le vaisseau ne l'a toujours pas découvert cette ressource. Voilà. Promontium. J'ai déjà du carburant, j'ai à peu près 180 je crois de carburant. Donc pour ça on devrait être bon.
Le vaisseau. Enfin, le bâtiment que j'ai vu. Pour l'instant, je le vois pas. Bon, normalement, de toute façon, ils vont me le mettre sur ma carte. Sur le radar à droite. Donc, normalement, on devrait être bon. Si je vois que je m'approche de trop, tac. On reculera s'il faut. J'ai vraiment des problèmes pour trouver quand même les minerais qu'il me faut. Depuis le début là, c'est chaud pour trouver quand même ce minerai. Je me demande si ce minerai c'est que sur là-bas j'ai trouvé. Ouais, pas ça. Encore un autre minerai, ce qui est cool. Yes! On en a trouvé du Zascolosium. C'est très bien. C'est très très bien. Ok, il s'est barré. Il y avait un ennemi juste derrière moi qui était. Qui venait juste d'apparaître. Oula, on va se mettre plus ou moins comme ça. Que je puisse utiliser mon drone. Et quand je vais utiliser mon drone, il faudra que je fasse extrêmement attention au radar à droite. Si je vois des ennemis. Non, c'est pas ça que je fais. Ça devrait aller, mais faudra se méfier. Faudra se méfier. Let's go. Encore un autre là-bas. On doit sûrement avoir un camp d'ennemis. Ça se peut que c'est le bâtiment que j'avais découvert juste avant. Bon, au moins on a des ressources. J'en prends combien? Aucune idée. 3 francs, je ne sais pas. On va commencer par 200, je pense. Puis on va refaire encore un autre. Un autre tour pour essayer de trouver du néodénium. C'est plus le néodénium qu'il me faudrait. Le zasconium, je crois que pour l'instant je l'utilise pas trop. Ça en 12, ok. Bon, c'est toujours bien d'avoir un peu de d'autres ressources. De toute façon, cette ressource-là, je suis sûr que je vais en avoir besoin pour construire par exemple. D'autres tourelles un petit peu plus améliorées, donc dans tous les cas, on m'en fout quand même. Heureusement que j'ai le petit drone quand même pour m'aider. Ils auraient dû faire sur sur Empyrion, c'est le système de drone qu'on puisse le construire nous-mêmes. Comme ça, si jamais on le perd ou quoi, ça fait stylé en fait. Ça fait un peu plus réel. Si on le perd, tac, on peut le faut le reconstruire pour le pour de nouveau avoir un autre drone. Parce que là, en fait, on sort le drone n'importe où. On sait pas où il est, mais on le sort. Et si jamais je pars trop loin et que j'ai plus de connexion par rapport à mon drone, et ben c'est pas grave parce que j'ai de nouveau un autre drone qui apparaît comme par magie. Donc ça, j'aurais voulu. Oh.
ça c'est bon. J'aurais voulu que ce soit un peu plus stylé, du style d'avoir le drone un petit peu plus difficile. Alors, non, c'est pas ça. Tout, tac. Alors, le zasconium. Oui, je crois que le zascosium, je peux le faire uniquement dans un four très chaud et se trouve en fait dans ma base principale. Bon, ça c'est pas très grave à la rigueur. Tac. Alors, bon, on va continuer. Du copper, je crois que c'est de l'autre côté que je dois aller. Je crois que c'est de ce côté que je dois aller. Ok, on va essayer de trouver du néodymium. Et après, on peut toujours aller explorer. Non, ça, je crois que c'est une planète là-bas. Sur le coup, j'ai cru que c'était un bâtiment, mais non. Satium. Satium, on l'a déjà retrouvé. On l'a déjà trouvé, donc ça, c'est bon. Ouais. Je croyais que c'était un bâtiment celui-là là-bas, mais non, c'est bien une planète. On va essayer de se mettre un. Ah, c'est voilà le bâtiment. Je suis quand même curieux de se voir, donc on va juste s'avancer et voir à peu près s'il devient rouge ou pas. S'il met un détecteur rouge, c'est que c'est un bâtiment ennemi. Attaquer, non? Ouais, c'est bien un truc. Là-haut, ça doit être le fer. C'est bien un bâtiment ennemi. Et il m'attaque. Ce que je me disais. J'avais vu des lasers, je dis. Heureusement qu'on peut quand même se cacher derrière des astéroïdes. Alors, celui-là là-bas, je crois que c'est du fer. Ouais, le néodymium est très difficile à trouver quand même. J'espère, pour être franc, j'espère vraiment que le jeu n'a pas bugué. Sinon, je sais pas trop comment je vais faire. Bon. On a vu le petit coin là est vraiment sympa. On va pouvoir faire une autre, un autre coin, je pense. Tac. Si je veux aller par exemple ici, je peux pas verrouiller. On va devoir. Ok, je peux pas le verrouiller sûrement parce que. Je peux pas tout remplir. Ah, je suis obligé de le faire manuellement. Ah, c'est pas cool. On va changer de vue. Voilà. On va essayer de se dépêcher. J'ai pas envie de me faire attaquer au moment où je fais ça. Je vais récupérer toi. Je vais le garder. J'ai coupé le jus du vaisseau. C'est ça que je voulais faire. On va tout remplir. Voilà. Côté carburant. Côté carburant, on va se bouger, on va se bouger, on va bouger. Carburant, ça devrait tenir. Tac. F4. Système. Tac. Pourquoi tu peux pas être verrouillé? Là, je peux. Ah, c'est parce que il faut que je suis obligé de. Ouais, eh ben, vous savez quoi? Alors attendez, si je suis obligé de faire comme ça, autant partir sur lui directement. Même si je pense que ça va pas être une bonne idée parce que c'est une planète chaude. Allez, allez,
faut que je mette un peu plus de gyroscope, je pense. Voilà, c'est une planète de lave, comme je le pensais. Ça, j'étais sûr, je l'avais déjà vu. Système. Donc, on va plutôt aller sur... pas sur la planète, parce qu'on aura très chaud. Et je ne pense pas avoir un truc pour la température qui soit aussi chaud. Par contre, on va rester en orbite. Et on va... Cesium, Satium, Cobalt... Non, ça sert à rien de rester là. Je peux aller là-bas, par contre. Je peux aller là-bas. C'est un peu dommage parce que je vois pas du tout qu'est-ce qu'il y a comme truc, comme ressource. Je suis obligé d'y aller avant de voir ce qu'il y a. Oui, bon, de toute façon, on est ici pour explorer. Hein. Donc, autant y aller. Autant y aller. Pas mal d'astéroïdes, ok, on est bon. Tac, et ben on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi j'espère que cet épisode vous a plu. On a pu voir quelques planètes. Pour être franc, j'ai pas vraiment cherché plus que ça sur les autres planètes. Hein, vu qu'il n'y a pas les ressources que je veux. Mais de toute façon, on ira faire un tour sur ces planètes là pour voir un petit peu peut-être les créatures. Pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a comme créatures. Et vu que moi je ne connais pas ces planètes là, de toute façon on va aller les explorer. Il y aura peut-être des nouveaux drones, des choses du genre. Donc ça peut être assez fun d'aller voir sur les autres planètes. Pour l'instant, ma priorité en fait, c'est de chercher les ressources que j'ai besoin pour améliorer le vaisseau. Et l'armée. Et après, quand j'aurai pas mal de ressources, que j'aurai de l'armement et tout ça, là on va pouvoir vraiment bien explorer toutes les planètes. Voilà, donc moi j'espère que cet épisode vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à aimer cet épisode. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus.